Alors, bonjour à vous, cuisiniers de chez Moffy. Nouveau plat à la carte qui remplace la pintade contisée et betterave. On est toujours sur de la pintade. Elle ne sera plus contisée, mais bien saumurée. Saumure à 5% pendant 3 heures. Ensuite, mise en forme au saran wrap et cuit au rational à 65 pendant 1h30 environ. On va l'accompagner ici de poireaux cuits sous vide aussi. On vient simplement passer à la friteuse pour leur donner une belle coloration et des chipolini. Hop, ça part au four. Ensuite, autre garniture dans l'assiette, tombée de bétacarbe. On y va, on part avec l'huile d'ail rôti, le beurre. Vous allez aussi avoir toujours une mise en place d'oignons au vin blanc. On fait suer, on emporte la pièce. Cette étape peut être exécutée en mise en place sans aucun problème. L'important, de bien travailler rapidement pour garder le beurre de la bétacarbe. Ensuite, sabayon au beurre de persil. Beurre de persil qui est déjà en place sous vide. Un sabayon qu'on fait naturellement avec les jaunes d'œufs. On va garder le sabayon froid pour la simple et unique raison qu'on va pouvoir l'étirer sur plusieurs jours. Alors, je viens simplement déposer une belle quantité de sabayon sur ma tombée de bétacarbe et je vais la passer à la salamandre. Le terme, c'est glacer. Alors, je glace ma tombée de bétacarbe. Légère coloration. Ensuite, dans l'assiette, on y retrouve purée de racines de persil. Alors, on vient y déposer une quenelle assez généreuse. Alors, comme ça ici. Ensuite, ici. Alors comme vous pouvez voir, on va venir simplement enlever l'excédent. Bien important quand on met à l'emporte-pièce la bétacarbe de bien la compacter pour qu'elle puisse garder un peu sa forme comme ça. Bon poireau. Ici, mon oignon chipolini et je vais venir inciser de chaque côté de ma pintade. Je vais bien disposer côté peau, côté chair, mettre votre beau travail en évidence. Et voilà le nouveau plat printanier pour nos magnifiques sœurs. Alors, merci à tout le monde. On n'oublie pas, on continue à compléter notre formulaire de santé et on porte le masque. À bientôt tout le monde.